Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode sur Trader Life Simulator. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va faire une petite présentation de ce qui a changé. Alors, une présentation pas globale, je vais pas lire le patch. Je vais juste vous montrer ce qui est visuel, n'est-ce pas? Et donc, du coup, on commence tout de suite avec la difficulté. La difficulté, on peut basculer en facile à la place d'être normal comme on était, donc du coup j'ai basculé en facile, à savoir que j'ai 5953 boulas et donc du coup j'ai tourné qu'une journée, donc c'est plutôt sympathique, t'as vite fait de te faire de la thune. On a toujours la même voiture au démarrage, maintenant on a une barre de stamina, donc quand vous courez au bout de la barre, vous allez être essoufflé, hein, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau comme ça visuellement? Pas grand chose, je ne crois pas, il y a les caractères, enfin les écritures qui ont changé déjà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc du coup plusieurs nouveaux magasins, dont celui-ci, une nouvelle rue d'ailleurs, puisque la rue n'existait pas. On a ces trois magasins là, donc on a de la viande, de l'électronique et des légumes de spe. On a tout ce qui est légumes ici, donc on peut avoir des pommes, vertes, rouges, enfin peu importe comme vous voulez. On a des oranges, on a des bananes qu'on avait à l'autre magasin, donc je ne sais pas si on pourra toujours les acheter là-bas, il faudra qu'on aille voir. On a les concombres, bon ça on les avait déjà, les tomates, on a, qu'est-ce que c'est, des poivrons, on a des pastèques, etc. Les mecs passent toujours aussi fort les bras, hein, ils sont pas gentils. De ce côté-là, on a tout ce qui est viande, donc on a du beefsteak, encore du beefsteak, du poulet, on a du bœuf haché, on a des saucisses, on a de la viande. Et j'ai regardé pour acheter les carcasses, on peut pas acheter les carcasses. Donc voilà, celui-là il y a des lunettes de soleil maintenant. C'est vrai qu'on n'avait pas avant ça. Ensuite de ce côté-là, on a tout ce qui est électronique. Donc on a tablette, on a casque, on a enceinte, on a tapis de souris, clavier, téléphone, imprimante, une tour, un portable, des télés, moniteur de bureau, télé, ouais, bon, un écran, une télé, alors surveiller, je sais pas ce que ça veut dire, j'aurais plus dit un écran de PC aussi, celui-là il est chauve, ok, donc voilà, de ce côté-là, c'est tout ce que nous avons, c'est déjà pas mal, puisque ça rajoute, je crois, si je dis pas de sottises, avec les, tout ce qui est électronique et autres, ça rajoute 15 articles, la voiture est toujours une Formule 1, là, je crois que rien n'a changé normalement. Ensuite, on va aller voir d'autres changements. Donc, ah si, ce qui est non visuel, c'est... Alors si, il va falloir quand même... C'est programmer l'heure d'ouverture de ton magasin. Ça, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Ensuite, nous avons les animaux. Et oui, alors le bâtiment a déjà rechangé depuis que j'y suis venu. Il a déjà changé deux fois. Ok, donc logiquement, on devrait avoir les poules, les moutons et les meumeux. Du coup, pour acheter, vous allez toujours dessus. 350 balles, 500 balles pour une vache. Et pour les poupoules, on a 50 euros. Et voilà. Ces poules-là, enfin les poules, les moutons et les vaches, on va pouvoir les mettre ici dans la grange. Donc dans la grange, on va s'y rendre tranquillement. Alors, est-ce qu'il a rechangé? Je ne sais pas. Je vais... Ben si, cette musique de mort, Voldemort. Ça faisait un peu d'ambiance, mais c'est de la merde. Hein. Oh là là, tu veux pas changer ça? Maurice, c'est dégueulasse. Et si celle-là, on verra bien. Du coup, on va se rendre à la grange. Alors, est-ce qu'il a changé depuis? Je crois bien que les cartons ont changé, il faudra que je regarde. Il y a l'air d'avoir une bande blanche dessus. On regardera après. Ensuite, donc du coup, on va se rendre là-bas tranquillement, à la grange. On ira au magasin après. Je peux aller voir s'ils avaient rajouté des nouveaux racks ou autres. Ah, il a rajouté un tracteur déjà depuis que je suis venu. Ok. Donc là, il n'y avait pas de tracteur. Il n'y avait pas de bâtiment non plus. Putain, il les a rajoutés aussi. Il a rajouté des bâtiments. Bah, ils ont. Ok, donc on a trois pâtures. Donc vous l'aurez compris, une pour les vaches, une pour les moutons, une pour les poupoules. Je sais pas trop comment ça se passe parce que là, tu peux rien acheter, rien vendre, rien du tout. Donc est-ce qu'elles vont te produire des trucs? Probablement. Reste à voir quoi. Donc on a la grange, des bottes, du bois, du bordel, pas mal de déco. Pareil, une grange et donc du coup nos trois pâtures. Ah, il a rajouté les auges aussi. Il était pas. Donc du coup voilà, on va pas faire un grand tour. On testera ça un petit peu plus tard, voir ce que ça donnera. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Il n'y a pas grand-chose. Ça y est, j'ai faim, je peux plus courir. C'est la Moria, si je peux. La graine et tout. Donc est-ce qu'il va falloir acheter à bouffer? Je ne sais pas.
On verra quand on aura acheté les animaux. Du coup, on va repartir au magasin principal où on a acheté les raquettes au tointouin. Et on va voir s'il y a du nouveau. En tout cas, j'en achète rien. Ah, c'est vrai que j'ai plus de stam, j'avais oublié ce détail. On va y aller en voiture parce qu'autrement, on va mourir avant d'arriver. Hop. Donc, on a déjà tout ça. C'est déjà pas mal. En dommage, hein, ça c'est fait. Après, ils ont ressorti un ou deux correctifs depuis. Mais en dommage, on a déjà tout ça. Je vais aller voir là s'ils ont rajouté des trucs. Je vais aller faire un saut vite fait au magasin. Alors, on a changé de lit aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé de le dire. Le lit a changé, on peut plus courir. Magnifique. Le canapé aussi, qui était pas comme ça. Les lits ont changé. Les bureaux, je crois qu'ils ont changé aussi. D'ailleurs, je sais même pas si on avait des bureaux à l'époque. Donc, on a toujours. Ah oui, tu peux t'asseoir sur le canapé pour regarder la télé aussi. Ça, c'est ce que Juju a retenu. Juju l'a retenu, le canapé. Ok, donc là, apparemment, rien de bien neuf. Rien de bien neuf, ok. Tu as faim, tu ne peux pas courir. Merci, j'ai bien vu. Et on va aller voir au magasin cette histoire de légumes. Moi, il y a des bandes blanches maintenant sur les cartons. Donc, est-ce que c'est écrit? C'est écrit dessus. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que c'est vrai qu'avant, si tu mettais pas une boîte sur le carton, bah tu ne voyais rien du tout. Il a le ventre qui se plaint, c'est terrible. On va aller voir au magasin puisqu'avant on avait les bananes au magasin. Les bananes, les concombres et tout de soin. Donc je suis curieux de voir s'ils ont toujours laissé des bananes mais pas au même prix. Enfin, banane ou autre, pas au même prix. Ou s'ils ont encore rajouté d'autres trucs à la place. Ça c'est une chose, je ne suis pas allé voir. Ils ont rajouté des camions ici, donc il n'y avait pas ces petits camions en déco. Ça c'est plutôt sympa. Ah, il y a des chaises maintenant. Alors qu'est-ce que nous avons? Radio, oui, il a changé un petit peu. Il y a toujours les mêmes produits ici. Il y a toujours les mêmes produits ici. Celui-là, je suis pas sûr. Des frites, je crois qu'on n'en avait pas des frites. Ça on avait. Des andouilles, on avait. J'en ai plein chez moi. On peut pas s'asseoir sur les chaises. Ok, donc il a supprimé tout ce qui est fruits. Les frites et les chips, il les a mis là. Sinon, globalement, ça n'a pas trop changé ici. Il y a peut-être un peu moins de trucs qu'avant. Mais globalement, c'est la même chose. Ok. De quoi? Non, les légumes et les fruits, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Ok, on va s'arrêter bouffer vite fait. Est-ce qu'ils nous ont rajouté plus de choix à la bouffe? Je ne sais pas, on va pas tarder de le savoir. On va pas tarder le CVR pour voir ce qu'ils nous ont rajouté. Je sais que je peux pas courir, de toute façon je roule, je vais pas courir. Bon, voilà, globalement pour l'instant ce qu'ils nous ont rajouté. Ce qui est plutôt sympa, il va y avoir pas mal de choses. Alors maintenant on a une étoile aussi. Alors je sais même pas si vous pouvez le voir, non. J'ai ma grosse tête devant. En gros, au-dessus à gauche, avant on avait la thune, donc j'ai 5953. On avait la banque, on avait la carte bleue. Et maintenant ils ont rajouté une étoile. Je suppose que c'est pour la qualité du magasin, à mon avis. Ça, je voulais racheter un rack, j'ai oublié. Pas grave. C'est toujours pizza, burger et tout ça. Je crois même que c'est encore plus cher qu'avant, mon dieu. Ah ok, donc là ça donne 100 maintenant les pizzas. Ok. Ok, ok. Donc voilà au niveau de ça, au magasin aussi, en tout cas via le PC portable, il y a des choses qui ont changé. Putain que j'ai envie de pisser maintenant, c'est terrible. Alors au magasin, donc logiquement la réserve et tout le temps n'a pas changé. Hop. Bon du coup en facile c'est x10, donc doutez-vous bien que c'est beaucoup plus simple de faire nos petites affaires. Alors, j'avais rajouté. Que j'avais racheté. Alors quand tu les poses maintenant. Ah on a ça maintenant, ça je l'avais pas avant. Je l'ai pas acheté. Ouais ok c'est écrit là-dessus. Ok, bah, c'est plutôt cool ça. Alors. Ah oui mais tu la vois pas quand tu la poses. Ah c'est la med. Putain. Alors mets-le là. Ok, donc là c'est écrit. Ok, donc on nous a rajouté ça. Donc là, on a plus gros escabeau, ok. Ici, le bonhomme a pas trop changé. Là, on a une télé maintenant.
On peut l'éteindre et l'allumer. Interagir. URL de la vidéo. Ah d'accord, on peut même mettre une vidéo. Ah c'est cool ça. Je vais essayer. Ici, donc plein de thunes. Alors ici, ce qui a changé. Déjà, tu peux changer le nom du supermarché. Tu peux le faire ouvrir automatiquement. Fermeture automatique. Facture d'électricité à paiement automatique. Bon, les factures, c'était ça. Embaucher un deuxième caissier, on l'avait. Et là, pour acheter la grange où on va mettre nos animaux, c'est ici. Ensuite, au niveau de la boutique, ça, je crois qu'on n'avait pas du tout. Donc, on peut avoir un kiosque à journaux. On va acheter, d'ailleurs, ce sera fait. Acheter une machine à jus, acheter une machine à café, acheter une machine expresso, acheter un support à sandwich, acheter un distributeur automatique, affichage des lunettes de soleil. Donc, est-ce que ce qu'on a acheté, le kiosque à journaux, ça marche? D'ailleurs, où est-ce qu'il s'est rajouté? Ok. Est-ce qu'il se remplit automatiquement? Je ne sais pas. Mais on a ça. J'ai 8038 en tenue, je vais peut-être voir si j'achète ça. Donc on a le kiosque à lunettes. J'achète tout le bordel, rien à foutre. Hop, hop. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il s'est mis dans mon PC, bien entendu. Ajouter à l'inventaire. Je vais le mettre ailleurs parce que ça fait un peu dégueulasse, ma connerie. Parler d'abord à Jabber. Ah, j'ai toujours pas à parler, du coup. On va rajouter ça. J'ai pas placé ma baignoire encore, c'est moche. Ok, donc j'ai tout acheté. Ici, il y aura la grange, mais ça je le ferai plus tard. Donc on a les lunettes, les journaux, machine à jus et tout le toi, c'est là devant. Ok. Donc on a tout ça qui s'est mis devant. Ok, ok. Eh ben c'est plutôt sympa. Ensuite, du coup, on va tester ça tout de suite. Je veux tester. Alors, interagir. Il est rare que je prenne une de mes vidéos, vite zef. Est-ce qu'on va avoir le son avec? Ah oui, merde, c'est CTRL, c'est CTRL V qu'il va falloir faire. On peut pas... Ah si, on peut. Loading page. Ah, merde. Ah ouais, on a même le son. Ah putain, ça va pas marcher, ma cochonnerie. Vas-y, joue, joue, joue. Alors, attendez. Ah ouais, on a même le son aussi. Viens voir. Une seconde. Putain, eh, c'est trop bien. Oh, la cochonnerie, dit. C'est trop fort ça. Oh j'aime ça. Et t'as même le son dans le jeu. Ok. Oh c'est plutôt cool quand même. Ok. Ok ok. Et donc du coup bon bah on a toujours le même magasin hein. Ça serait cool qu'ils nous en rajoutent qui nous rajoute un plus petit, tu vois, histoire de commencer plus petit et tout. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode sur Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Du coup, aujourd'hui. Ok. Alors attends, on va baisser le son quand même, on va enlever le son tout court. Propriétaire d'une maison. Saviez-vous que. Vas-y, joue, on s'en fout, je vais enlever la pub. Hop. Ok, démerde-toi, les gens pourront regarder. Ok. Ben voilà un petit peu ce qu'on a de neuf, messieurs, dames. Ce qui est plutôt sympa, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses, c'est plutôt cool. Je vais décharger mon bordel. Je vais aller pisser et chier. Puis on va tâcher de faire une commande quand même. Parce que j'ai encore jamais commandé dans le jeu, étant donné que j'avais jamais de thunes. Je décharge dans la foot, hop. Hop, on va parler à Jabber. À Jabber jambon beurre. Démerde-toi. On va aller se laver tout le soin de soin, puis après on va aller voir ça. Ok, mais c'est plutôt sympa. J'ai pas mis la fermeture automatique du magasin, c'est pas grave, mais... en l'occurrence, pour l'instant, on s'est encore jamais fait cambrioler. Ça a pas l'air de pouvoir être le cas, donc ça va. Ça va, ça va. On va aller parler à Jambon Beurre, et on va voir pour passer une commande vite fait depuis le magasin. Je croyais que j'avais déjà parlé, mais apparemment pas du tout. Par contre, ça m'a l'air d'être plus clair qu'avant. Les couleurs, on dirait. On dirait. Mais je sais, t'as envie de faire la grosse commission. On y va tout de suite, t'inquiète pas, tu dois aller aux toilettes. Bah tu vois, j'y suis. Y'a pas besoin de s'exciter. On va prendre une douche.
puisque... Hop. Alors, le lit, vous le change automatiquement, du coup, il vous remet automatiquement le nouveau. À la place d'en racheter un. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, on va essayer de faire ça. Donc, il y a pas mal de petites nouveautés qui sont plutôt sympathiques. Hop, et hop. Du coup, le temps qu'on fasse tout ça, je vous fais quand même un point IRL du jour, même si ça n'a rien à voir avec le jeu. Donc, je suis encore après mes genisses. On a bientôt fini de lâcher tout le monde. Il me reste 3 genisses et 3 blanches. Et toutes les autres blanches sont traitées. Et donc du coup, voilà, c'est terminé. On arrive sur la fin. Donc c'est plutôt sympathique. J'ai une anecdote Vitzef également. Donc là, juste avant de tourner la vidéo, je vais fumer une bidiche et puis après, je vais tourner ma vidéo tranquillement. Et New Paper, je sais pas ce que c'est. Ah ben c'est le journal. Et il m'arrive un petit problème. Donc je marche pour rentrer. Je ne savais pas ce que ça foutait là, parce que j'en ai jamais mis. Mais j'ai un coup qui m'a rentré dans le pied. C'est moche. Donc du coup, je joue la désinfectiologue. M'a désinfecté. Elle m'a mis un truc sous le pied, mais j'ai douillé mes grands morts. J'ai douillé mes grands morts. Du coup, on va tâcher de retourner au magasin et on va voir pour faire une livraison. Alors, est-ce que ça se fait automatiquement? Est-ce que ça se fait tous les jours à minuit? Est-ce que ça se fait tous les jours à je ne sais pas quelle heure? On va pas tarder de le savoir. Je vais en profiter pour aller racheter vite fait un racounet. Un second. Je pense que ça peut être ça un peu. Au passage. Et puis, on va tâcher de passer commande. Donc maintenant, effectivement, quand t'en facile, c'est beaucoup plus simple d'acheter tout ce que t'as besoin, puisque c'est en facile. On va rester sur le même. Hein. Je vais en acheter 3. 4. Ouais, c'est simple. Hein. Et j'ai encore 3358. Mais bon, c'est vraiment pour... histoire d'avancer, de vous montrer un truc. Enfin, des trucs... les nouveautés et tout, sans être obligé de bourriner le jeu derrière, parce que autrement j'ai jamais de fin. Si moi je le recommence, enfin, si je viens leur faire en normal, je leur ferai de mon côté tranquillement, sans les vidéos. Mais sinon, il faudrait que je brûle comme un gros sac pour pouvoir arriver à suivre. Sinon, j'y arriverai pas. Donc voilà. Alors, coffre machine, 15 balles. Donc, j'ai chopé la bordure. Coffee machine, c'était 15 balles. Ça se fait cher. Ah, j'ai glissé, monseigneur, c'était quelque chose. Hein. Alors, je suppose que faut peut-être pas... Ah, expresso machine. Je suppose qu'il faut peut-être pas mettre la voiture là derrière. Parce que pour la livraison, je sais pas comment ça va se passer derrière. Hop. Ça klaxonne toujours. Alors, comment ça va se passer, Roger? Ça va spawn ici, je suppose. Alors attendez, on va tester tout de suite. Vas-y Roger Jabber. Ok. Oui j'ai compris. Oh n'importe quoi, admettons on va commander... je sais pas, un truc qui rentre dans mes machins déjà parce que... Des goûters par exemple, est-ce qu'il y a goûter? Ah c'est resté en anglais là-dessus. Ah c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Je voudrais bien les goûter, mais je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Une petite chocolat. Je peux commander ça, tiens, admettons. J'en veux une boîte, admettons. Ah merde, il me faut des sous pour ma carte. Ah, oh, nick. Ah, je suppose que ça va TP là au magasin, mais... Ça a pas l'air d'avoir trop changé non plus. Lui, c'est toujours le même. Vas-y, mets des thunes sur ma carte. V300... À la banque. Ah, je peux. Ah oui, il faut que je rembourse le prêt. Tiens, on va voir le prêt, il est fait. Et donc, du coup, de ça, je vais en mettre 200, admettons, là-dessus. Ça va pas marcher parce que j'ai pas fait transfert, abruticon. Là, hop. Donc, on va retester pour un carton de Nutella. Pendant mon chocolat. Là, je repasse à la caisse. Je regagne 3240 boules. Je suis déjà à 5348. C'est pas celui-là, là. De PC. Et du coup, vas-y. Abdoulila.
Bah, c'est pas fait. On commence. Ok, donc normalement. Ah, d'accord, ça spawn directement là. Ok, bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Ok. Bon, ça me va. Ça me va, ça me va. Alors, comment je vais m'organiser là-dedans? Les boîtes, je les mettrais bien là. Oula. Les boîtes, on va dire que c'est ce qui est le moins important. Enfin, oui et non. Mais... je sais pas trop. Alors, mon petit Lorenzo, toi qui va regarder la vidéo, tu vas pouvoir me renseigner. Est-ce que dans un magasin, c'est classé selon l'importance? Ou est-ce que rien à foutre et puis c'est classé comme on veut, quoi? Ça va dégueuler là-dedans, mon boxon, là. Mais c'est bordel, ça, hein. Parce que c'est selon où tu te places, là. Là, ça va pas. Et là, ça va pas non plus. Et celui-là, il sera trop avancé. Mais putain. Ah, c'est la bodge, là. Il sera trop avancé comparé à l'autre. Ça va pas, ça. C'est pas du tout droit. Je me trompe. Par contre, on est toujours en... pour acheter un toilette, mais pourquoi faire? J'en ai des chiottes. Ça, ça touche, mais ça, c'est plus devant que l'autre. Est-ce que je peux le reprendre? Ajoute. TI, pardon. Ça va pas trop... c'est pas facile à mettre en place, cette cochonnerie, je trouve. Concentration, tout ça pour mettre ça. J'arrivais pas à faire joint avec l'autre, ça y est. Et encore, je sais même pas si ça fait joint ma cochonnerie là. C'est chaud. C'est plus facile à placer en vrai. Hein. Ok. Vas-y, dis l'idée. Oh, ouais, ouais, ouais. Ah là, ça touche plus. Ah, misère, mais c'est ta faute, Juju. C'est chaud. Putain. Ah, mais c'est emmerdant, mon seigneur. Je vois pas clair dans mon magasin. Là, ça fait pas un joint. Vas-y, c'est la med. Y'a pas moyen d'avoir un peu de jus, là? Pas d'électricité. Ah, Chiasaku, vas-y, paye. J'ai pas de sous. Merde. Merde. C'est la Moria. On voit pas clair chez moi. Vas-y. Tu vois pas que je suis dans la med? Vas-y, mets 500 boules. Ça va. Voilà, aisé, sorti. C'est-y par monseigneur, on voit plus rien, c'est la Moria. Même avec la lumière, on fait de la lumière. Mais ça, ça se rentre pas la nuit, c'est chiant. C'est con. Vas-y. Ah, là on voit un peu plus clair quand même, Roger. Déjà pas mal. Du coup, putain, faut toujours transfert, quoi. Faire mes petits rayons. Bon, par contre, il y a un truc qui est bien, qui m'arrange grandement, c'est le fait qu'ils aient gardé ce truc-là. Bon, ça traverse à moitié les murs, certes, mais c'est plus pratique pour ranger, je trouve. Est-ce que j'en ai encore du maïs sucré ici? J'en ai encore. Enfin, un. Hop. Ok. Donc, t'as toujours pas besoin de dormir. Ça, c'est plutôt sympathique. Parce que, autrement, c'est la med. C'est la med, c'est la med. Alors, Lorenzo m'avait expliqué que ces machins-là servaient pour certains produits, je crois que ça coûte le but, et d'autres servaient pour d'autres produits. Ou alors, il y a une histoire de frais ou pas frais ou je sais pas quoi. Bon, je ne me rappelle plus de ce que Lorenzo m'a dit depuis la dernière fois. C'est pas moi le connaisseur, c'est lui. Hein.
voulez que je vous dise, vous voulez jeter des bâtons et quelque chose, vous voulez jeter sur lui. Moi, je ne me rappelle déjà plus de ce qu'il m'a dit. Je serai obligé de marquer, sinon je suis dans la merde. Ok, on réorganise tout ce Roger, n'est-ce pas? Ça presse, ça. C'est un vrai moment, hein. Moi, je commande plein de maïs sucrés. Mais ouais, si t'as pas envie de te casser la tête à farmer le jeu comme un gros porc, tu mets en mode facile et puis ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Après, le truc qui reste à faire, c'est mettre en rayon, bien sûr. Mais bon, c'est quand même le but du jeu. Puis voilà. D'ici peu de temps, ils ressortent un jeu, la team DNA. Si je vous dis pas de conneries, ça doit être pour de la pâtisserie, le prochain jeu. Donc, le principe reste le même, hein. Tu vas vendre ta pâtisserie, je pense. Mais est-ce que c'est de la pâtisserie que t'achètes ou que tu fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas où c'en est. Je leur ai demandé, j'aurais posé la question, si vous voulez bien moyen une clé. Et puis, on verra bien. On verra bien, ce que ça donnera, s'ils veulent bien m'en envoyer une ou pas. Mais ils travaillent sur deux jeux à la fois, en sachant qu'à la base, c'est pas une team de devs. Enfin, c'est pas des devs, c'est une team, justement. Les mecs ont du courage quand même, hein, parce qu'ils bourrinent. Ils bourrinent. Donc c'est plutôt cool d'avoir des gens qui travaillent encore comme des porcasses comme ça. Bon, une team de gens qui ne sont pas du tout développeurs. Et finalement, moi je pense que le jeu, voilà, le graphisme, c'est pas le truc le plus ouf du jeu, hein, bien sûr. Mais comme j'ai dit, c'est pas des devs. Et je trouve que c'est des jeux qui auraient le mérite de devenir un peu plus connus. Et qui puissent bosser, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, est-ce que j'ai la traduction en anglais de ce truc-là? Non, parce que c'est le maïs sucré. Le problème, c'est que sur le redis, c'est pas maïs sucré, quoi. Alors, comment ça s'appelle cette cochonnerie? Andouille, baguette, briques, chips, le maïs. Comment ça se dit maïs en anglais? Cornflakes. C'est corn le maïs en anglais. Mais sucré. Corn sucré. Andouache. Comment ça s'appelle cette merde en anglais? Sweet corn, c'est ça? Mais putain, je le fais exprès. Ben voilà, j'ai recommencé ma merde. Sweet corn, vas-y, commande. On va pas tarder de le savoir si c'est ça. Le maïs sucré. Ah d'accord, donc les cartons spawnent les uns sur les autres. Ok, pop. Ah, c'est pas les mêmes cartons par contre. Est-ce que c'est la même quantité? Ouais, on dirait. Ok, donc les cartons sont plus petits. Ok. Bon, c'est pas très grave, mais... Mais nique. Si je me mets pas debout, c'est mort. Ok, donc pas mal de nouvelles choses sur ce petit jeu. Reste à voir s'ils comptent rajouter d'autres trucs d'ici peu de temps ou d'ici un temps un peu plus éloigné. En tout cas, c'est bien cool. Et bien, c'est là-dessus qu'on va stopper, messieurs dames, pour aujourd'hui. Plein de nouveautés, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, j'ai hâte d'avoir la suite. En tout cas, j'espère que le petit épisode vous aura plu. On se retrouve ce soir pour la suite de Oddworld en live. Rendez-vous 21h comme d'habitude. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.